On sait enfin ce qui a fait vriller Zinedine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde en 2006. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Personne n'a oublié la finale de Coupe du Monde en 2006 perdue face à l'Italie. Le fameux coup de boule de Zidane qui a fait sa légende est encore dans toutes les têtes. On sait maintenant ce qu'il a fait dégoupiller. Retour vers le passé, c'est un souvenir douloureux pour le peuple français. Finale de Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie. Les deux nations qui se disputent le Graal suprême sont à égalité à l'approche de la fatidique séance de tir au but. 110e minute, le match bascule après un coup de sang de Zinedine Zidane. Provoqué par Marco Materazzi, le français pète un câble et assène un coup de boule à son adversaire. La suite, on la connaît. Les Bleus perdent la finale après une cruelle séance de tirs au but. Une triste fin pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Aujourd'hui, on sait enfin ce qui a fait craquer ZZ et qui de mieux pour en parler que Marco Materazzi lui-même qui a révélé le fameux échange entre les deux hommes. Les personnes qui vivent en Amérique connaissent cela avec la NBA, ce qu'on appelle le trash talk. Mon trash talking était minime. Il m'a dit qu'il m'offrirait son maillot après le match et j'ai répondu non, je préfère ta sœur, a-t-il confié dans un entretien accordé à Football Italian TV. Même après toutes ces années, la vérité fait toujours aussi mal. Allez, on passe au focus du jour, on va parler d'un joueur pas très connu qui réalise une saison assez lambda. Il est norvégien et n'a que seulement 22 ans, une queue de cheval qui rappelle un certain Zlatan Ibrahimovic. Bref, fin de la blague, il s'agit évidemment d'Erling Haaland qui réalise une saison tout simplement historique avec Manchester City. Face à Southampton, le numéro 9 des Citizens a encore claqué un doublé dans un sublime ciseau acrobatique. Il compte désormais 30 buts en 27 matchs de Premier League, des chiffres tout simplement hallucinants pour une première saison et pour un joueur dont on dit qu'il n'est pas assez compatible pour le jeu de Manchester City. Désormais dans son viseur, le record de la légende Alan Shearer et ses 34 buts en une saison de Premier League avec Newcastle. Sa saison est d'ores et déjà rentrée dans les annales du football anglais puisque Haaland a inscrit son 44e but de la saison avec les Sky Blues. Il égale un certain Mohamed Salah et Ruud van Nistelrooy sur le plus grand nombre de buts toutes compétitions confondues en une seule saison pour un joueur de Premier League. Tout simplement monstrueux. En conférence de presse, son coach Pep Guardiola n'a pas hésité à le comparer aux GOAT, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. How many games Erling has played in a professional career, so you compare the both in that the same amount of games. Cristiano Messi in that part of their careers in that level, in the top score world. It's quite similar in terms of Cristiano. I think Messi is a very complete player. But Erling knows that the other two guys dominate during two decades, not just 1 year or 2 years, really two decades of the world football, scoring and winning titles and doing absolutely everything. I think football is a better place, mainly thanks to Cristiano Messi, what they have done for our business. Erling is just 22, 23 years old, arriving in the toughest league in the world. I can talk because I've been in other leagues, and doing what they have done is quite remarkable. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, est-ce que selon vous Erling Haaland est actuellement le meilleur neuf de la planète? Comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi on vous demandait votre avis sur la première saison de Lewandowski au Barça. Et bien pour vous le Polonais s'en sort plutôt bien mais il pourrait faire encore plus de ravages s'il était mieux entouré. Et dans le reste de l'actu, le PSG pousse pour rapatrier un ancien titi parisien. Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Mike Maignan, Moussa Diaby, la liste des titis parisiens qui ont explosé ailleurs qu'au PSG est longue. Et aujourd'hui, le club parisien s'en mord les doigts. D'après nos infos, le Paris Saint-Germain est bouillant à l'idée d'en rapatrier un. Il s'agit de Moussa Diaby qui a pris une toute autre dimension au Bayer Leverkusen. Aux yeux de Luis Campos, le gaucher est le parfait complément de Kylian Mbappé. Et dans l'optique de franciser l'effectif parisien, Moussa Diaby se révèle être le candidat parfait. Il faudra toutefois sortir le chéquier pour l'arracher au club allemand avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2022. Et en plus de ça, il faudra doubler les nombreuses écuries anglaises et italiennes qui surveillent sa situation de très près, toujours d'après nos infos. Affaire à suivre, mais ce dossier témoigne une fois de plus la très mauvaise gestion du club parisien vis-à-vis de ses titis. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, excellent dimanche à vous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.